En 2006, c'était le 10 décembre 2006. Steve Guerda et Jalice Casselier remportaient ici le Grand Prix Rolex. C'était la première victoire de Steve Guerda dans un Grand Prix de la Coupe du Monde. C'était le 10 décembre 2006. Le 10 décembre 2010, 4 ans exactement après cette première victoire, c'était la victoire dans la finale du Top 10 Rolex IGRC, toujours avec Jalice Casselier évidemment. Et puis entre deux, il y a eu la victoire du Crédit Suisse Grand Prix en avril 2010. Steve Guerda, Jalice Casselier à nouveau qui faisait retentir l'hymne suisse. Et puis il y a eu cette médaille d'or par équipe au championnat d'Europe en 2009. Une médaille de bronze par équipe au JO en 2008. Et on va se remémorer tout cela avec quelques images avant l'entrée en piste. Regardez l'écran géant. De succès, tant d'émotions, il n'y a qu'une chose à dire, merci Jalice Casselier. Jalice Casselier qui nous a tant fait rêver
et qui va maintenant profiter d'une retraite. Mais alors, oh, combien mériter quand on a aussi bien brillé sur toutes les pistes du monde. Et avant de céder la parole à Steve, j'aimerais quelques applaudissements. Nous aimerions tous quelques applaudissements pour Heidi et Mary. Ce sont les grooms de Steve, celles qui l'entourent. Elles méritent vos applaudissements. Steve. Bonsoir tout le monde. Je vais essayer de contrôler mon émotion. Je pense que vous pouvez vous imaginer, c'est pas facile pour moi. C'est une histoire un peu spéciale entre moi et Jaliska, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à remercier pour tout ça. J'aimerais commencer évidemment par toute mon équipe et mes groupes, spécialement Heidi, qui a été, je pense, comme une mère, une sœur et une meilleure amie à unir pendant toute la carrière de Jaliska. Son propriétaire, M. Piaget, grâce à qui j'ai eu l'honneur de monter cette merveille pendant tant d'années. Et tant de gens aussi qui ont travaillé dans l'ombre, que ce soit son entraîneur, Thomas Fuch, son maréchal, Julien, son vétérinaire, M. Schill ou encore Marco Herrmann, qui a sauvé la vie lorsqu'il a eu sa COVID en 2007. Et surtout, je ne veux pas vous oublier, vous, parce que je pense que vous êtes une des parties les plus importantes dans la vie de Jaliska. C'est aussi grâce à vous qu'il a eu une carrière aussi fantastique. Je pense que vos ovations, on ne va jamais les oublier. Et c'est pour ça que j'aimerais vous remercier du fond du cœur et je suis sûr que Jaliska vous aime. Merci. Encore plus fort, Genève! On va remettre, bien évidemment, des places souvenirs à Steve, et puis il y a également quelque chose pour Heidi, pour Mary. Et puis pour Jaliska, bien sûr, un très grand panier de carottes. Ben évidemment. Les photos, là aussi ça crépite, évidemment. Et après tout cela, il faut que Jaliska, Steve aussi, Heidi, Mary, se souviennent toute leur vie de ce tour d'honneur. Encore plus qu'un autre, peut-être. Et avant le tour d'honneur, on va prendre un peu des forces. Voilà. Très bien. Un petit bout de carotte, mais il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que Steve et Jaliska se souviennent toute leur vie de ce tour d'honneur ? On fait trembler Palexpo, c'est parti! Thank you.
Niska Solier. Merci Steve, bien sûr. Et surtout, bonne retraite, grande dame. Allez, jusqu'au bout, on donne de la voix, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fou là 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 là. Que d'émotion, merci à tous, vous avez été formidables pour... C'est au revoir, parce que ce n'est pas un adieu évidemment, c'est un au revoir à Janiska qui en souhaite une belle retraite. Et puis, on vous donne rendez-vous, on va reprendre un tout petit peu nos esprits, pour la grande chasse parrainée par le Starling Hotel. Ce sera, allez, aux alentours de 22h20, 22h30 peut-être, 22h30 plutôt. La grande chasse Starling Hotel, encore du beau spectacle, bien évidemment. À tout à l'heure.